Salut tout le monde, c'est Polo et bienvenue sur Minecraft Dino. Alors c'est le moment que tu nais notre aventure dans ce jeu magnifique. La dernière fois on s'est laissé dans notre base et pour quelque raison c'est la nuit. Ce n'est pas trop cool parce que je sens qu'il y a des ennemis à côté de moi. Ah ben oui hein, regardez, ce petit bonhomme là, il veut se faire taper les joujoux. Il veut manger ma bouffe, ce n'est pas bon. Et mon épée en fer est bientôt dans le caca, aïe 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 aïe. Mais bon, la dernière fois on était parti à l'aventure, on a fait quoi encore? Oui, on a trouvé des trésors partout. On a trouvé des One Piece. C'était magnifique. On avait trouvé des... un cœur de l'océan, des cristaux de prismarine. Et j'ai cherché à quoi servent ces trucs. En gros, ça, c'est pour faire une lanterne aquatique, je pense. Et ceci, c'est pour faire un conduit. Et ouais, on va jouer avec ça dans le futur lorsque j'aurai trouvé plus de trucs dans le monde. Voyons donc. Alors, plusieurs d'entre vous veulent que je construise un porte-armure pour mettre mes trucs en diamant parce que je me promène pas avec ces trucs en diamant pour l'instant puisque j'explore le monde normal qui est juste ici et j'ai pas envie de gaspiller la durabilité de ces trucs là. Alors on va faire notre petit truc intéressant qui s'appelle un porte-armure. Bon ben les potos, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Je voulais vraiment pas faire ça, mais on va faire un four normal pour faire fondre mes minerais. Pas mes minerais, mes blocs, pardon. Pah! Voilà! Ok, le bloc qui est là, c'est un four. Ça n'a pas l'air de ça, mais c'est vraiment un four. J'avoue que c'est laid. Très, très laid. Mais ce n'est pas grave, là. Let's go, les poteaux. Donc, il faut en faire fondre 6. Et de cette façon, j'en aurai assez. Oh non, il faut en faire fondre... Non, il faut juste en fondre 3. Qu'est-ce que je dis là? Yo, j'allais en faire fondre plus que d'habitude. C'est pas croyable. Hey, Pepito. Ah si, voyons donc. Je peux crafter tous ces trucs avec le tailleur de pierre. Donc, ouais, c'est pas si rare que ça, mais vous savez, je vais utiliser ces pierres dans le futur lorsque je vais construire une belle maison. Parce que pour l'instant, j'avoue que ma maison est dégueulasse et plusieurs d'entre vous dans les commentaires sont comme Polo, Polo, construis-toi une belle maison, c'est pas digne de toi, voyons donc. Mais ça, c'est dans le futur parce que moi, mon but dans la vie, c'est d'explorer le monde, voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, mais peut-être que je devrais upgrader un peu. Parce que j'avoue que c'est dégueulasse en maudito. Il y a tellement de trucs à explorer dans le monde. Alors, ouais, c'est en découvrant le monde que je vais voir quel genre de matériaux il y a dans le monde. Et avec ces matériaux, je pourrais me construire une belle maison. Vous voyez, j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Je veux pas me construire une maison. À la fin, je trouve que c'est laid et que j'aurais pu construire quelque chose de meilleur si j'avais découvert le monde un peu petit plus. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, en tout cas, Pierre Lys est là. Pas le temps de niaiser. Ah, oh, voilà. C'est avec ceci que je peux faire. Attendez. Mon mannequin, oui, non. Ah, voilà. Ben, c'est pas mon mannequin, c'est mon porte-armure, pardon. Mais laissez-moi voir quelque chose. Je veux voir la différence entre dalle de pierre et dalle de pierre lisse. Comme, est-ce qu'il y a une grosse différence ou une mini-différence? Donc, prop et prop. Oh. Chacun son utilité, chacun sa beauté. OK. Alors, le porte-armure, je vais le poser ici, puisque j'ai un petit peu de place et c'est vraiment laid comme endroit. Mais écoutez, vous croyez qu'un Iron Man met son armure dans un endroit public où ce que tout le monde pourrait voir ça? Honnêtement, je sais pas là s'il ferait un jour ou l'autre, mais bon, en tout cas. Alors, PRAU! 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 Attends, l'épée aussi? Ah, oh, tu peux pas porter l'épée? Ah, pour vrai? Ah, je suis sûr que tu peux porter l'épée, mais tu veux juste pas porter l'épée. Mais, vous savez, mon casque en diamant, je veux le garder parce qu'il y a respiration 3 dedans. C'est sur le point de se péter. Ben, pas vraiment sur le point de se péter, mais ça se pète pour aucune raison, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, je vais garder ça parce que je vais partir à l'aventure à la One Piece. Et ce que je vais faire à la place, c'est mettre ceci ici et... Attendez, ils sont où mes cisailles? What the hell? Non, voyons, non, moi, je vais pas comme faire des conneries. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, je vais arrêter de dire, voyez ce que je veux dire, mais bon. En tout cas, il y aura une tête de citrouille qui va faire peur aux ennemis, voyez ce que je veux dire? Ah! Ouais, alors si je veux mon armure d'Iron Man, eh bien, je reviens ici et puis je m'équipe comme un fou. Il fait beau dehors, l'air est frais. Ah, et c'est l'heure de faire des trucs de fermier. Normalement, bien sûr, mais moi là, mes obligations de fermier, moi je m'en fous de ça, oubliez ça. Alors ce que je vais faire, pardonnez-moi, c'est retourner dans l'île qu'on était la dernière fois. Pourquoi? Parce que plusieurs d'entre vous ont remarqué qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-bas, c'est-à-dire un temple aquatique ou quelque chose comme ça. Alors je veux voir s'il y a vraiment un temple aquatique, parce que moi j'ai manqué ça, c'était pendant que...
Il n'y avait pas de soleil dehors, ouais, il faisait nuit. Vous avez remarqué ça et moi j'ai pas remarqué ça. Mais bon, en tout cas, on se dirige là-bas, on va voir ce qu'on peut trouver et on va trouver le One Piece numéro 42. J'espère en tout cas. Yo, je crois que vous avez raison! Hey, salut Matino! Et... Oh my god, attendez, attendez. Hold up, j'ai jamais vu ces trucs-là. Oh wow! Ok, non, attendez, est-ce que je tue un bonhomme comme ça pour voir. Oh! Oh, il peut se défendre! Attends, il veut me manger, c'est ça? Oh, ok, non, 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 il a utilisé un Hyper Beam de la mort! Méchant! Non, 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 tu vas pas t'enfuir, frère! Méchant! Yo! Est-ce que c'est normal que ça prenne autant de temps pour le tuer? Oh! Wow! Attends, il est mieux de me donner quelque chose de bon. C'est quoi ça? Pourquoi on me dit que je peux construire un bloc et plein de prismarines? Oh! Ok, toi, tu donnes pas de bouffe, je pense. Attendez, vous savez quoi? On va en tuer un autre, parce que je suis sûr que je dois tous les tuer pour faire apparaître un méga boss de la mort. Oh! Ah! Ah! What? What? What the? Non, non, c'était quoi cette affaire-là? C'était quoi ce room? Comme s'il y a un fantôme. Non, non, ok, non, non, ça me fout les jetons pour vrai, yo. J'ai entendu un woum. Ah, ben oui, il y a de la bouffe. Il donne de la bouffe, mais quoi? Morue crue? C'est une morue? Ça, c'est une morue pour vrai? Impossible, mais le truc là, ça m'a tellement foutu les jetons. Oh my god. Ok, non, non, non. Oh, wow, ça va jamais se terminer, les amis, je pense, hein. Sans blague, les amis, cela fait 10 ans que je me bats avec eux, ça se termine jamais. Je crois qu'ils respawn toujours. Alors, ce que je vais faire, c'est juste me promener comme ça et je les ignore. Ouais. Et ouais, j'aurais dû faire ça depuis le début parce que vous voyez comme. Oh! Oh! Oh, les maudits, voyons donc! Attendez, attendez, je crois que j'ai trouvé l'entrée. C'est ici. Oh! Let's go! Sans mon casque, j'aurais pas pu rester là longtemps, là, mais. Il me faut des bulles d'air pour vrai, hein? Parce que là, Oh my god! Yo, c'est fort! Ok, j'ai une idée. Et oh my god, Ah! Oh, j'ai trouvé le Big Boss! Il veut pas me laisser partir! Oh my god! Ok, attendez. Oh. My god, si j'avais un arc avec moi... Wow! Ok, je pars à la retraite. Ouais, oubliez ça. Non, non, je vais pas me battre contre eux pour l'instant. Honnêtement, je crois que la meilleure chose à faire, c'est de miner cet endroit. Alors, c'est ce qu'on va faire! Et... Est-ce que c'est normal que je sois lent comme ça? Est-ce que c'est normal que ça marche pas? Oh my god! Peut-être c'est à cause du truc qui est en haut à droite de mon écran. Comme c'est en train de dire que je peux pas miner rapidement parce que j'ai trop faim ou quelque chose comme ça. Oh! Vous savez ce que je vais faire? Je vais partir d'ici et je vais revenir plus tard et on verra. Ah ben attendez les potos, je vois des trucs intéressants. Par exemple, il y a une épave là-bas. Et si je vais, attendez, ici, il y a quelque chose pour respirer. Vous voyez, comme le bloc là-bas, là, cela veut dire qu'il y a des trucs intéressants pour moi. À moins que ce soit des trucs que j'ai déjà obtenus auparavant. Ah, ben non, une carte au trésor et une hache en pierre qui ne me sert à rien. Ouais, mais bon, au moins j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Je sais pas si je peux trouver autre chose si je continue à creuser. Mais bon, c'est quoi, je vais pas tenter le coup et on va voir où est-ce que la carte au trésor nous mène. Et... Hey, attendez. Attendez une seconde. Mais c'est dans le même endroit où j'ai trouvé l'autre trésor. Et à ce qui paraît, quelqu'un m'a dit de prendre tous les trésors qui se retrouvent dans le coffre à trésors. Et puis là, les maps vont me pointer vers un autre trésor ou quelque chose comme ça. On va tenter le coup. J'ai décidé de revenir vers ma base pour la simple et unique raison que je vais aller chercher du lait. Et oui, le truc qui fait en sorte que j'ai un debuff là de je sais pas quoi. Je crois vraiment que ça fait en sorte que je peux pas miner les trucs rapido presto. Alors si je prends deux autres seaux avec moi. Attendez, attendez, c'est vrai, il faut que je jette le seau d'eau qui est là parce que là, je peux pas le garder avec moi. Donc, je vais prendre du lait et de cette façon, je vais enlever le debuff. Et de cette façon, je vais pouvoir faire des trucs intéressants comme miner le temple. Mais ça, c'est selon moi. Je sais pas si cela marche, mais ça, qui ne tente rien à rien. Honnêtement, toutes les cartes de trésor que j'ai retrouvées me pointent toujours au même endroit. C'est un trésor que j'ai déjà retrouvé auparavant. Oh, lui là. Hé, hey, je devrais lui donner un peu de poisson, mais avant tout, on va prendre tout ce qu'il y a là. Voilà, alors là, en plus, je vais détruire ça. Donnez-moi une seconde, j'ai utilisé un mauvais truc. Bon, alors j'espère que les cartes ne vont plus me pointer au même endroit. Et puis, ce bonhomme-là, est-ce qu'il mange quelque chose de cru ou quelque chose de cuit? Vous savez quoi, on va donner quelque chose de cru, juste pour essayer. Ah, you like this? You like this? Il y avait une carte qui volait autour d'ici. Ah!
Ok. Non, mais à ce qui paraît, les dauphins sont supposés m'amener vers un trésor. Mais là, il est en train de partir super loin sans moi. Je m'en dis. En tout cas, je voulais juste le nourrir juste pour le plaisir. Et puis, ouais, c'est ça qui est ça. Mais avant tout, laissez-moi voir. Ok, ça. Je peux jeter ces cartes. Je suis de retour les poteaux et... Oh my god, je me fais déjà attaquer. C'est incroyable, je viens tout juste de venir. Ils savent déjà que je veux faire du mal à leur big boss. Et là, il faudrait que je me rapproche un peu plus. Ah, c'est pas comme si ça marche super bien là, mais... Aïe, 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 aïe. Ah! Je vais pas faire tuer, non! Pas tout de suite! Oh my god! Yo, je viens tout juste d'arriver, frérot! Oh, ces maudits-là, je vais me venger dans quelques instants. Alors, mission accomplie, j'ai tué tout le monde qui était autour de moi. Il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore, mais ils vont toujours spawner. Alors, pour l'instant, je mine ça super lentement. Alors, si je fais ça... Ça devrait marcher, là. Oh! Nice! Ok, let's go! Oh, oh, what? Oh my god, il y a déjà un big boss ici. Attends. Si je m'approche de lui, là... Il attaque toujours, il veut rien savoir, hein? Non! Oh, oh! Ah! Non! Non! Ah! Oh, j'allais me faire tuer! Oh! Ok, non, ce mec-là, là, je vais prendre mon temps pour le tuer. Il y a sûrement un moyen de le tuer facilement, c'est juste que je ne sais pas comment, malheureusement. À moins que... Faut vraiment prendre son temps comme ça. Oh, wow. Oh! Enfin! Et tu m'as même pas donné de bon loot, est-ce que vous n'êtes pas sérieux? Est-ce que vous n'êtes pas sérieux? What? Qu'est-ce que t'es en train de dire là? Est-ce que vous êtes sérieux plutôt? Ok, vous savez quoi? Moi là... Oh, what up bro? Moi je vais voir ça. Et ce que je vais faire, c'est collecter le plus de blocs possible. Oh, yeah baby! What? Oh, oh ok. Quelqu'un a pas aimé que je détruise le temple. Hein? Je suis sûr que les historiens vont m'étrangler s'ils me voient. Mais ce n'est pas grave, moi je m'amuse. Moi, j'ai des blocs que je pourrais ramener à la maison. Je suis de retour à la maison. Et là, je n'ai nul autre choix que de sortir mon suit de Iron Man. Ça va être magnifique, vous allez voir. Les potos, j'ai une surprise à vous montrer. Si je mets ma hache ici, je peux avoir fortune 3. Si je mets ma pelle ici, je peux avoir fortune 3. Et si je mets ma pioche, je peux avoir fortune 3. C'est ce que je cherchais. Alors, lorsque je vais trouver du diamant, oh my god, ça va être tellement... Yes! Et là, j'ai rien d'autre. Est-ce que c'est normal? Ben, c'est sûr que c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que on pouvait pas me donner des trucs supplémentaires comme efficacité. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais cuire de la bouffe. La dernière fois, je me suis dit que je vais pas cuire cette bouffe pour la simple et unique raison que je voulais ouvrir un steakhouse. Mais là, écoutez, j'ai découvert que dans le monde... Oh, 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 je sais pas, minerai. Qu'est-ce que t'es en train de faire là, Polo? J'ai découvert que dans le monde, il y a des trucs qui nécessitent les grands moyens. Ouais. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le lait pour pouvoir miner rapidement et enlever le debuff, voyons donc! Alors, je vais prendre du lait de différentes vaches et... Ah! Oh, surtout de lui! Lui, là, il a sûrement bien travaillé pour avoir du bon lait! Alors, j'ai 3 chaudières de lait, ce qui va m'aider à miner le temple et ramener les trucs à la maison. Et je pourrais peut-être me construire un temple souterrain dans le futur! Ce serait magnifico! C'est quoi le hack que je suis en train d'utiliser? Je suis même pas en train de ramer, voyons donc! Regardez ça, ça se fait automatique. Mais bon, en tout cas, nous sommes arrivés à destination. L'heure est venue d'aller attaquer le monde. Je n'ai pas peur. Et oh my god. Wouh, what up bro? Attendez, on va voir s'ils vont brûler dans l'eau. Ah, évidemment qu'ils ne brûlent pas dans l'eau. Mais disons que... Ouais, ça prend 4 coups au lieu de 6 coups pour les tuer. Je crois que je vais quand même utiliser cette épée. Même si je peux pas brûler mes ennemis. Ouais, parce qu'en 4 coups... Hey, je suis comme coincé. En 4 coups, je peux les tuer. C'est nice, ça. Et oh my god, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, what? Ok, yo. Je sais pas si c'est normal ou un bug. Mais tout ce que je peux dire, c'est GG, bouboule. C'est tellement dur d'explorer cet endroit parce que j'ai fait tellement d'allers-retours que j'arrive pas à bien explorer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ce que je vais faire, c'est juste prendre ceci et l'amener avec moi. Et là, ok, il faudrait que je boive du lait, voyons donc. Oh, c'est du gaspillage, là, mais bon, en tout cas, let's go! Je vais en amener 2 avec moi, juste au cas où, on sait jamais, et puis en même temps, je vais juste prendre tout ce qu'il y a là, hein. Regardez ça, charbon, carte au trésor, et puis char pourri, pourquoi pas. Il y a sûrement un autre trésor quelque part d'autre, là, je suis sûr à 100%, faut juste bien chercher. Et là, oh! Ouais, ok, c'était quoi ça? Oh, canne à pêche! Malédiction de volatilité.
Attends, volatilisation. Pourquoi malédiction? C'est pas bon ça, les malédictions. Mais bon, en tout cas, moi, je suis super content parce que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Je sais pas si je peux trouver autre chose. Mais moi, je suis juste venu ici pour mes blocs de magma et... c'est ça qui est ça, hein? Bon, ben voyons voir si la carte au trésor est différente, amigo! Oh! Enfin! Ok! Soit cette carte au trésor m'indique vraiment un autre trésor juste comme ça pour le fun, ou il fallait vraiment prendre tous les trésors de l'ancien trésor pour me dire qu'il y a un nouveau trésor dans une nouvelle carte au trésor. Je suis désolé. Bon, ben les potos, je crois que je vais poser un bloc ici. Comme ça, je peux respirer. Oh! Oh! Oh my god, j'ai tellement peur de faire aspirer comme un fou, mais ça me permet de respirer. Aspirer, respirer. Aspirer, respirer. Ok, je vais arrêter de dire des conneries là, parce que là... Ouh! Il y a des trucs à faire ici! Hey, je me demande si je peux aspirer tous mes ennemis dans avec un bloc, et ça va les GG, genre... Oh, je devrais tenter le coup, puisque... C'est comme ça? Ouais, écoutez, qu'est-ce que j'ai espéré, voyons donc. Mais bon, l'heure est venue de tous les tuer. Il y a tellement d'ennemis ici, j'avais pas mes trucs en diamant, je serais dans le caca en ce moment, man. Même si je suis déjà dans le caca, c'est pas croyable. On va manger du steak. Ouh, du steak cuit dans l'eau. Ça doit être tellement miam, miam, miam. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, vous voyez pas ce que je veux dire, hein. Non. Oh my god. Oh, Big Boss Brothers! J'ai bientôt terminé les poteaux. Il y avait comme une quinzaine de poissons ici. C'est même pas une blague. Et là, il en reste que 3, je pense. Mais au moins, cet endroit sera libéré. Clean, clean, clean. Nettoyé. Comme si j'étais une femme de ménage dans un hôtel. Ouais. Ok, non, ça c'est vraiment bizarre. Non, mais sans mes items, j'aurais jamais pu le faire. Et mon casque est bientôt capote là. Oh là 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 là, ce n'est pas une bonne chose. Ah, je regrette tellement, man. Oh my god, man. Non, en fait, je regrette rien du tout. C'est juste que, si seulement, j'avais pu faire quelque chose d'autre, là, comme, je sais pas, moi, mettre respiration 3 sur un casque en fer, ça aurait été plus magnifico, là, mais, en tout cas, ouais, on va continuer à explorer cet endroit. Let's go! Les potos, j'ai trouvé un autre boss qu'on va tuer dans quelques instants. Let's go! En fait, c'est maintenant. Je devrais peut-être tuer les petits bonhommes en premier parce que c'est eux qui... Ouais, ils me foutent les jetons. Parce qu'ils arrêtent pas de m'attaquer par derrière, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, l'heure est venue de tuer ce mec-là. Je me rappelle quand j'avais juste mes items en fer, j'avais tellement de difficultés à tuer ce bonhomme. Et maintenant, je devrais être petit guidou et je vais manger un petit peu de steak mouillé juste pour me guérir. Et voilà! Yo, c'est bien simple! Et là, mon casque là, oh non, s'il te plaît, ne te détruis pas, frérot. Alors, j'ai posé un bloc de magma juste ici. On va récupérer un peu de bubule, voilà. Et là, oh my god, yo! Est-ce que dans ce temple, il y a des trucs intéressants à aller chercher? Parce que là, pour l'instant, je n'ai rien trouvé encore. Zéro truc, nada, blabla. Les potos, il y a un autre gros bonhomme ici, tôt. C'est l'heure d'aller le tuer, mais avant tout... Les petits pions tout d'abord, parce que c'est eux qui me foutent les jetons. Avec leur petit kaboum, kaboum et kaboum, vous voyez? Si je tue les petits bonhommes, eh bien ce sera plus facile de tuer les gros bonhommes après. C'est aussi logique que ça, voyons donc. Excuse que... Ah! Non! Pépito, ok, ok, calme-moi, calme-moi, calme-moi. Le truc, c'est que mon casque est bientôt capote, alors je veux pas trop comme... faire mon con non plus, si vous voyez ce que je veux dire. Méchant! Oh oh! Je vais pas te laisser m'attaquer, frère. Quoi qu'il arrive, tu vas pas faire ton laser beam sur moi! Zouhouhou! Okay, non, non, toi là, tu peux le faire là, mais attends, tranquille, tranquille. Je crois que je dois retourner respirer parce que... Ouh! Oh boy! Sans le truc de respiration, là, moi j'aurais été dans le caca pour vrai. Je veux juste ramener tous ces blocs à la maison. Et pourquoi je suis en train de... Ah, c'est parce que je suis en train de nager. Ah, ok, ok. J'étais comme, pourquoi je suis en l'air comme ça, comme un fou, là, mais... Yes! Ah! Oh! Enfin! Honnêtement, je sais même pas à quoi ça sert, les bop, l'éponge, là, mais bon, écoutez, si ça sert à quelque chose, eh ben, j'espère que ça sert à quelque chose de bon, hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon! Maintenant que j'ai libéré cet endroit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon but de la journée, c'est de tuer tous ces bonhommes?
Yo, j'ai vraiment aucune idée. Wouh! J'ai besoin de lait. Écoutez, j'ai besoin de mes blocs de magma et puis avec ces bonhommes qui arrêtent pas de me juger les méninges, là. Oh, oubliez ça, j'ai besoin de mes trucs pour pouvoir survivre. Sans les blocs de magma, là, je peux pas me promener dans ce... Dans cet endroit souterrain, c'est pas croyable. Mais bon, j'ai tellement d'items avec moi, je vais faire le ménage. Mais canne à pêche, malédiction de volatilisation. Oh, il faut que je fasse des recherches sur ça. Et puis, pourquoi j'ai un figu? C'est quoi? What the... Oh, je peux le manger? Hey! Est-ce que je devrais le manger cru? Oh, non, vous savez quoi? Moi, je vais le poser là. Peut-être que plus tard, ça va me servir à quelque chose. Mais pour l'instant, je vais le laisser là parce que j'ai pas envie de faire des conneries avec lui. Et, oh my god, brother. Oh! Oh non, 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 si t'avais explosé ici, j'aurais tellement pleuré, frère. Mais une chance qu'il n'a pas explosé. Merci, bon Dieu. Alors, je suis de retour ici et ce que je vais faire, c'est miner tout ce qu'il y a là le plus rapidement possible. Comme ça, je peux faire un trou d'air. Et de cette façon, je pourrais respirer plus facilement. Ouais, parce que j'ai plus de blocs de magma avec moi, vous voyez ce que je veux dire? Elle est... pourquoi j'ai pas de debuff, what? Eh oh, debuff? Hello? Debuff? Mais pourquoi le debuff est pas là? Oh! Peut-être qu'il fallait tuer tous les big boss! Et de cette façon, on ne pogne pas de debuff! Est-ce que c'est possible? Si c'est le cas là, c'est GG! Oh mais, cela veut dire que je peux juste miner le tout à longueur de journée sans conséquence! Ah! Eh ben c'est bien nice, cela veut dire que je peux juste avoir le temple qui est là et l'amener chez moi! Ben, si je prends tous les matériaux, bien sûr! Honnêtement, j'en ai tellement marre de... Oh! Oh! What? Yo, c'est la première fois que je vois un endroit comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux miner ça? Ça donne quoi? Hein? C'est quoi? Éponge mouillée? Oh! Yo, je devrais ramener ces éponges mouillées à la maison parce que je sais pas si ça va me rapporter quelque chose de cool, là! Alors, ouais, mais cette pièce était vraiment bizarre. Ouais, moi au début je croyais que c'était quelque chose d'intéressant, mais c'est juste des éponges mouillées, voyons donc. Ah. Il me semblait aussi que l'eau bougeait de façon bizarre, cela veut dire que... What? Ah, si je veux respirer, ben je peux utiliser cet endroit pour respirer. C'est bien nice. Oh! Oh! Oh, j'ai découvert quelque chose les potos! What? Oh mon dieu! Attends, comment j'accède à cet endroit? Par là? Ou... Qu'est-ce qui se... Oh, ok, ok! Il faut que je tue les ennemis avant que je puisse faire de quoi, parce que là, ils me dérangent! Ça fait 1000 ans que je me bats avec eux, c'est incroyable! Alors j'ai détruit tout ce qu'il y avait autour et maintenant il y a ces blocs. Est-ce que je suis supposé les miner? Ou quoi? Oh, j'aurais dû prendre ma... Ah, oh, ok, non. Non, j'allais dire, j'aurais dû prendre ma pioche en diamant parce que j'ai fortune 3 dans ma pioche en diamant, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Oh! Ce truc-là était caché 8 blocs d'or! Ah, c'est bien nice! Bon, ben, les potos, moi, je suis rentré à la maison parce que je ne veux plus rester dans le temple. Je crois que j'ai assez fouillé un endroit, je sais pas si j'ai manqué quoi que ce soit, mais ouais! Cet endroit-là était complètement GG. Oh! Wow! Alors, voyons voir ce que j'ai ramené comme trésor à la maison. Alors, bloc d'or. Honnêtement, j'ai déjà beaucoup de blocs d'or. Je sais pas si j'ai manqué d'autres trésors là-bas, pour être honnête avec vous, mais j'ai ramené beaucoup de blocs, ce qui est super intéressant. Mais à part ça, I don't know, man. En tout cas, les potos, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Alors aujourd'hui, j'ai fait 3 heures de gameplay juste pour terminer tout ce qu'il y avait à faire dans le temple. Et je sais même pas si j'ai terminé de faire tout ce qu'il y avait à faire dans le temple. Mais bon, en tout cas, si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!